Bonsoir, bienvenue à tous dans cette université. Alors certains connaissent, d'autres découvrent, je pense. Le public est comme cela divers et varié. Je vous remercie d'être là pour cette conférence. Donc, je suis ravie de vous présenter, oui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Monsieur Didier Ramlay-Stewart, qui est historien et conférencier, titulaire d'un Master 2 en histoire et anthropologie et qui dirige plusieurs projets de recherche en généalogie génétique depuis 10 ans. Et il nous fait partager son expérience puisqu'il enseigne dans le pôle de généalogie depuis 3 ans maintenant la génétique et la généalogie. Donc on est ravis de l'accueillir pour voir le cas très particulier de l'exemple de la famille Stewart de Corse. Merci à vous. Merci. Alors moi, je remercie évidemment l'université, Monsieur le Président Benoît Roig, Madame Isabelle Ortega, qui est la responsable du pôle généalogie, de me permettre pour la première fois de conférencer ici. Et je vous remercie d'avoir fait preuve de courage, parce que par ces temps et ces chaleurs, c'est assez remarquable d'être là. Alors, le propos de cette conférence, même s'il est centré sur une famille en particulier, et en l'occurrence la mienne, est de vulgariser différents outils que l'on peut utiliser en généalogie génétique quand on est confronté à certaines problématiques de recherche. Alors parfois, l'ADN, on peut le mobiliser pour résoudre des questionnements simples sur des quêtes familiales diverses et variées, ou des quêtes un peu plus récréatives, surtout quand ça concerne, on va dire, le temps court, hein, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, par exemple. Mais dans d'autres cas, l'ADN, ça peut être un recours précieux, notamment quand il y a eu destruction de sources écrites. Alors, quelqu'un, par exemple, qui ne trouve pas son bonheur dans l'état civil reconstitué de Paris, voilà, ça va être très parlant ce que je suis en train de vous décrire. Quelqu'un aussi qui travaille sur sa famille du côté de Saint-Lô, ben, pareil, merci des bombardements. Et puis, il y a des familles qui sortent un peu du lot parce que le sort vraiment s'acharne. Et ici, c'est le cas. Des Stuarts, ma foi, en Normandie, en Aquitaine, du côté de Saint-Germain-en-Laye, bon, ça va surprendre personne. Alors, des Stuarts perdus dans les montagnes corses, déjà, c'est un caractère un peu plus exotique. Et donc, indépendamment de ma famille, il y a certains chercheurs qui peuvent se poser la question, mais d'où viennent-ils? Et le problème de ces questionnements scientifiques ou ludiques, c'est qu'effectivement, ils se heurtent à un contexte mais vraiment très défavorable. Alors pourquoi? Premièrement, les archives personnelles du premier Stuart qui arrivait en Corse, il en avait, il a vécu 6 ans dans la clandestinité, il a été assassiné dans un petit village. Et il se trouve que ce monsieur, qui en plus d'être colonel d'artillerie, était aussi un agent des services secrets britanniques, est venu faire un tour par ce village, et depuis, il ne reste plus rien. À tel point que le fils unique du premier Stuart de Corse a été obligé, 40 ans plus tard, de trouver des vieilles personnes dans différents villages et faire des témoignages écrits certifiés par les maires en place, pour attester que son ancêtre, il est bien passé par là, il est bien venu à telle période, etc. Donc, plus aucun patrimoine au niveau des archives familiales. Premier obstacle. Second obstacle, le premier historien de la famille, Théodore Stuart, qui a un parcours assez surprenant, puisque au début de sa vie, il s'est tourné vers l'Église, il est devenu moine franciscain, et puis, puisqu'il a beaucoup voyagé en Italie faire des recherches sur sa famille, il a envoyé son frère à Paris faire des recherches, et on ne sait pas comment, il a réussi à établir un lien, peut-être hypothétique d'ailleurs, avec une héritière qui vivait en Écosse, et il a demandé l'aide du vice-consul britannique qui se trouvait à Bastia. Impossible de prouver ce lien.
Donc ça a même occasionné des disputes en famille, parce qu'il y avait évidemment une histoire d'héritage en jeu. Et mais voilà, là aussi, apparemment, il a eu accès à certains documents qui ont pointé une famille en particulier, mais impossible d'avoir des documents qui pouvaient étayer ce lien de parenté. On sait qu'Emmanuel Stuart est parti de Belfast en 1751 et que son père s'appelait John, puisque c'est les informations que l'on retrouve dans son dossier de mariage en Italie. Et c'est tout ce qu'on sait, parce que tout ce qui aurait pu permettre de travailler sur son environnement familial, que ce soit les archives religieuses ou civiles, ben elles sont là, elles sont en train de brûler. Donc, tout a été détruit irrémédiablement, c'est perdu. Le seul document qui subsiste, c'est une liste des chefs de famille à Belfast, dont quatre jeunes Stuarts. Est-ce que l'un d'eux est le père d'Emmanuel ? On n'en sait rien, et de toute façon, on ne pourra jamais le prouver. Et quand je dis que le sort s'acharne, pendant 5 ans, Emmanuel Stuart a servi le royaume des deux Siciles, donc il était militaire, et à cette époque, au XVIIIe siècle, l'administration borbonique était très méticuleuse. Donc la vie d'un soldat, tout était consigné, tout, et ça aurait pu permettre d'avoir au moins des indications de fonds incidents ou d'orienter certaines recherches. Et là, c'est pareil. Il y a 30 années de livrets militaires personnels qui ont définitivement été brûlés par les bombes américaines. Et ce qui est assez, je dirais, un plaisant, je ne sais pas, mais particulier sur cette photo, c'est que la bombe que vous voyez en premier plan, juste en dessous, vous avez le siège des archives militaires. Voilà. Donc, on ne sait pas si c'est celle-là qui a tout brûlé, mais en tout cas, ça aurait pu. Donc voilà, c'était pour vous présenter un contexte qui est particulier, qui est celui de la famille Stuart de Corse, mais voilà, c'est vraiment les situations où on se retrouve complètement démuni quand on veut faire une généalogie familiale, parce qu'il n'y a plus aucune source disponible. D'où le recours à l'ADN. Alors, la première campagne de recherche en ce qui concerne cette famille va débuter en 2012. Alors le génome humain a été séquencé en 2003, ça veut dire qu'en 2012 on dispose déjà de quelques outils, on dispose déjà de quelques méthodologies, il y a des projets de recherche qui sont déjà en ligne, mais il ne faut pas se faire d'illusions, on est au début. C'est-à-dire que les plateaux techniques, hein, les machines qui permettent de séquencer l'ADN, même si elles produisent déjà des résultats, des études sur divers sujets d'ailleurs, hein, même en anthropologie biologique, ce sont quand même des travaux qui sont bridés, qui sont limités du fait des possibilités techniques, hein, tout simplement. Mais malgré cela, les recherches donc vont débuter. Et alors, quand on parle de recherche sur l'ADN, on est obligé, alors on ne va pas faire un cours de biologie ce soir, je vous rassure, mais on est obligé d'aborder très sommairement la structure de l'ADN. Donc les chromosomes se trouvent tous dans le noyau de la cellule humaine. Là, vous avez donc un chromosome qui est représenté, et avec le double brin en double hélice de l'ADN, vous voyez qui est stylisé, hein, qui est représenté dans le chromosome. Et le chromosome, ce qu'il faut surtout retenir dans sa structure, c'est son alphabet. Son alphabet, il est simple, hein, pas besoin de cours de paléo, là, c'est A, T, G, C. C'est-à-dire là, 4 lettres. Mais c'est effectivement ces briques de la vie qui correspondent à ce qu'on appelle des bases azotées, qui sont d'ailleurs toujours assemblées par paires de la même façon. Hein. Vous avez remarqué, vous avez T et A, ou A et T dans un sens, ou C et G dans un sens, et G et C, mais c'est toujours ces deux familles-là qui font des liaisons atomiques au niveau de la structure de l'ADN. Donc on parle de 4 bases azotées qui correspondent à 4 lettres, et c'est ça qui va nous permettre de travailler. Alors comment ? Alors pour reprendre donc l'historique
de cette recherche donc, sur l'histoire de Corse. On a commencé, s'agissant d'un patronyme, d'une lignée patrilinéaire, bien évidemment, on va commencer par l'étude du chromosome Y. Tout simplement parce que le chromosome Y n'est transmis que de père en fils, et surtout, il conserve un patrimoine génétique très stable. Il n'est pas complètement stable parce que le chromosome Y, vous voyez son aspect, quand même, il n'a pas l'air en forme. Hein, je vous le confirme. Il lutte désespérément pour sa survie, il essaie de se répliquer indéfiniment ses informations. Vous voyez, il est tout rabougri. Et c'est vrai que quand on voit son aspect et qu'on pense aux registres paroissiaux, aux actes notariés, aux actes d'état civil, et on se dit, mais en quoi ça ressemble à une source en généalogie? Et pourtant, on va pouvoir en trouver. Alors, lesquels? Alors, principalement, ce qu'on va rechercher dans le chromosome Y, ce sont des mutations particulières qui sont transmises de père en fils. Et une fois qu'elles sont transmises, elles sont stables. Après, on va développer un peu, on va modérer le propos. Mais l'idée principale, c'est celle-là. C'est que ces mutations sont transmises de père en fils, de génération en génération, et sont stables. Il y a deux types de mutations. Alors la plus simple, qui elle est très stable, c'est une mutation de type SNP, qui est très simple. Hein. C'est, si vous voulez, vous avez deux bases azotées. Vous voyez dans le génome humain de référence, c'est-à-dire... Alors qu'est-ce que le génome humain de référence? C'est en fait en 2003, on a étudié l'ADN de beaucoup d'individus et on a fait une moyenne. C'est-à-dire que on a défini statistiquement que normalement, à cet endroit précis du chromosome Y, on doit trouver de la guanine et de la cytosine. On doit trouver ces deux bases azotées, donc G, C. C'est le modèle de référence. Et quand au lieu de trouver ce modèle de référence, on trouve autre chose, et là en l'occurrence c'est le cas, AT, eh bien c'est une mutation simple, c'est une single nucleotide polymorphine, donc c'est une mutation qui ne concerne qu'une seule base sur 56 millions, une seule, et qui est relativement stable. Pour vous donner une idée de sa stabilité, on en a quand même retrouvé chez certains individus vivants, hein, de tribus du Cameroun, qui portent des mutations qui ont plus de 200 000 ans. Pour vous donner une idée de la stabilité de ces mutations simples. Et puis, il y a une autre mutation qui est un peu plus compliquée à appréhender. C'est des zones où, en fait, vous voyez, vous avez des répétitions. Vous voyez, AT, 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 AT. Et là, c'est pareil. Ces zones, elles ont été normées, alors pas par nous, hein, pas par vous, pas par moi, et un comité scientifique, le Hugo, qui a décidé que ben, cet endroit, en particulier sur le chromosome Y, on va l'appeler 10 quelque chose, 10549 ou H4, ou peu importe. Ça, ce n'est pas notre travail, c'est eux qui s'occupent des normes. Mais en l'occurrence, au niveau du génome humain, ce comité scientifique, il sait que pour ce 10 en particulier, de façon standard, on va retrouver tel nombre de répétitions. Si quelqu'un à cet endroit en a 5, de deux choses l'une. Soit ça correspond à une aire géographique, en particulier aux grandes migrations humaines, et là on est dans le domaine de l'anthropologie biologique, c'est-à-dire des mutations très anciennes qu'on connaît. Soit c'est nouveau, c'est tout à fait nouveau, et là c'est une mutation STR, on va dire, dans le domaine familial. J'extrapole un peu, mais on peut se permettre. Donc il y a une différence entre des répétitions singulières qui sont très anciennes, qu'on a parfaitement identifiées, qui permettent de définir des groupes d'individus qui portent les mêmes mutations, et des mutations, par exemple, que mon fils va avoir, que je n'ai pas, mais que lui va avoir. Et donc, c'est une mutation privée. Ça va permettre de le différencier d'autres individus dans ma famille, par exemple, au niveau patrilinéaire. Alors, ce sont donc les deux mutations qu'on va traquer sur le chromosome Y pour essayer d'établir des cousinages par rapport aux lignées patrilinéaires et éventuellement de retrouver des ancêtres communs. Alors, vous l'aurez compris, à partir du moment
où on retrouve des mutations spécifiques à un groupe d'individus, que ce soit un groupe très ancien ou une famille, on appelle ça un haplotype. C'est vraiment des marqueurs spécifiques. Et donc, cet haplotype, il va être caractéristique, encore une fois, soit d'une population, par exemple la population atlantique nord, au hasard, soit d'une famille en particulier. Là, vous voyez, par exemple, on a un haplotype qui a été identifié. Alors, comment ? Et c'est là, la méthodologie, elle est importante. Quand vous faites une recherche sur une lignée patrilinéaire, vous avez intérêt à prendre des cousins les plus éloignés les uns des autres. Plus vous avez de cousins testés, plus les cousins sont éloignés, plus vous allez avoir de matériel exploitable, plus vous allez pouvoir définir quelles sont les mutations les plus anciennes. Et quand vous avez des sources généalogiques pour corréler avec ces résultats, du coup, vous arrivez à identifier l'ancêtre commun et vous allez pouvoir établir ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Là, en l'occurrence, on a pris vraiment des cousins Stewart-Stewart dont on savait à partir de sources établies qu'ils étaient très, 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 très éloignés depuis au moins une vingtaine de générations. Et on a trouvé qu'ils avaient tous en commun ces valeurs. Donc, trois mutations YSTR et trois mutations YSMP. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail d'identification de mutations spécifiques, ben si demain, une fois que c'est fait, si demain une personne qui a le même patronyme par rapport à une lignée patrilinéaire veut savoir ben est-ce que je descends bien du même ancêtre, ben c'est facile à vérifier. C'est très facile à vérifier. Et là, en l'occurrence, par rapport à cet haplotype qui était identifié donc dès 2012, pour revenir au sujet de la conférence, le premier travail, ça a été évidemment de comparer l'ADN des Stewart de Corse à cet haplotype. Surtout qu'il y a une tradition orale permanente qui disait qu'ils étaient issus d'une famille royale d'Écosse, etc., etc. Et cette comparaison, elle a été positive. C'est-à-dire que les trois cousins Stuart en Corse qui ont été testés sur le chromosome Y, c'est toujours mieux de faire plusieurs vérifications, hein. Ça crédibilise la validité du résultat. Les trois cousins qui ont été testés donc en 2012, alors le test est très sommaire, hein. Regardez, YSTR67, ça veut dire que c'était vraiment les tests les plus populaires en 2012. On se contentait de comparer 67 marqueurs YSTR significatifs qu'on avait identifiés où il fallait surveiller les mutations. Voilà. Et à partir de ça, à l'époque, il y a énormément de projets qui ont posé des hypothèses de travail. Certaines, par la suite, ont été validées et d'autres complètement invalidées. Et on verra pourquoi. Mais la résolution de travail, à l'époque, vous voyez, en 2012, c'était ça. C'était 67 marqueurs YSTR. Et là, par rapport à cette résolution de travail, le premier résultat qui depuis demeure, hein, qui est validé à 100%, c'est que oui, les Stuarts de Corse, ils ont absolument toutes les mutations de l'haplotype spécifique de cet individu, c'est-à-dire Walter Fitzalan, l'ancêtre de tous les Stewart. Alors, juste, j'ai entendu... Steward, au départ, c'est une fonction, ça veut dire sénéchal. C'est le second personnage de l'État donc à l'époque de Guillaume le Conquérant. Et à la fin, la fonction finit par dériver en nom de famille. Voilà, c'est juste un petit éclairage. Alors, autre résultat, toujours dû à l'exploitation de cette technologie YSTR67, quelque chose de très surprenant, une personnalité vivante, hein, le duc de Buccleuch qui est vraiment un personnage public très, très connu en Grande-Bretagne, comparé, alors là c'est un cousin en particulier, 65
mutations en commun sur 67, ce qui est très significatif. Et dans le contexte de la recherche de l'époque, en toute bonne foi, ça fait dire à des universitaires et à des scientifiques, mais en toute bonne foi, ah ben oui, finalement, la tradition orale de ces Stuarts de Corse qui prétendaient descendre d'un clan royal Stuart, ben, la preuve, on a un descendant direct de Charles de Stuart qui partage 65 marqueurs sur 67. Vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation. Parce que déjà, à l'époque, le fait qu'il n'y ait qu'un cousin qui ait cette proximité en distance génétique, c'était matière par caution, mais il fallait d'autres éléments. Ce n'était pas suffisant. Et par ce travail, on va arriver à établir des arbres phylogénétiques, certes, mais ce qui va vraiment donner un coup d'accélérateur, c'est en 2013 l'apparition des tests de nouvelle génération, New Generation Sequencing, les tests NGS, où là, on ne va pas se contenter de rechercher des mutations Y-Ester qu'on connaît déjà plus ou moins, on sait où les trouver du moins. On va analyser entre 15 et 20 millions de bases paires sur le chromosome Y, à la recherche aveugle de mutations. Donc là, on a un bond technologique assez important en 2013. Et du coup, ce bond technologique, ben, il nous permet d'accroître les progrès dans tous les divers projets de recherche spécifiques au Stuart. Alors déjà, on s'aperçoit de quelque chose d'assez sympathique. C'est que vous voyez, sur les centaines de Stuart testés dans le monde, 40% portent ce YSNP spécifique, ils sont positifs à ce YSNP. Ça veut dire qu'ils descendent de cette lignée royale écossaise, médiévale. Et seulement 10% descendent de ce personnage qui était le commandant des archers de William Wallace, qu'Hollywood a rendu célèbre. Et on va encore plus loin, puisque on sait que de cette personne, donc il a trois fils qui sont à l'initiative de trois grandes lignées, dont les Lennox, qui vont donner les Darnley, qui vont donner le clan royal Stuart moderne, et on sait qu'ils ont un SMP spécifique. Donc, déjà à l'époque, on peut, à partir des progrès du NGS et de la réécriture de l'arbre phylogénétique, considérer qu'il y a 50% de Stuart qui ne sont pas issus de Stuart, en fait. Voilà, il y en a seulement 40 d'un côté et 10 de l'autre. Et ça montre, quand on fait des recherches sur le temps long, ça montre l'incidence aussi de ce qu'on appelle les événements non parentaux. Hein. Là, vous voyez, c'est assez spectaculaire, c'est la moitié quand même, hein. C'est ce qui n'est pas rien. Hein. Et surtout, à partir de cette connaissance, eh bien, pareil, on va pouvoir confronter à la famille Stuart de Corse. Qu'en est-il ? Et là, première bonne nouvelle, sur un test, alors il y avait plusieurs tests commercialisés, mais celui-là était déjà pas mal, sur un test qui analysait 14,4 millions de bases paires du chromosome Y, de plusieurs cousins hein, pour le coup, systématiquement, on arrive à la conclusion qu'ils étaient positifs, et c'est toujours le cas, chaque fois qu'on fait un test, c'est confirmé, à ce YSNP particulier. Ça veut dire que les Stuarts de Corse descendent de cette branche de 10%. Donc, pour l'instant, la tradition orale familiale, on avait déjà un élément de contexte, le clan royal Stuart ancien, ça commence à se rapprocher, et puis, coup de tonnerre, avril 2014, toujours le duc de Buccleuch, donc c'est un professeur de l'université d'Édimbourg, Jim Wilson, qui était assez intéressé de pouvoir comparer, parce qu'il y avait beaucoup d'hypothèses, d'éléments factuels, de sources historiques, où on se posait la question. Donc il a comparé en direct le chromosome Y du duc de Buccleuch avec les Stuarts de Corse, et négatif pour 7 YSNP. Aucun cousin Stuart testé en Corse ne peut matcher avec la famille royale Stuart moderne. Tous négatifs. Donc ce qui invalide définitivement
l'hypothèse qui était posée par les tests de 2012 à 67 marqueurs. Là, pourquoi ? Parce que la méthode de travail est beaucoup plus précise, elle concerne des données beaucoup plus importantes. Et je donne quand même un élément de réponse. Le problème aussi avec les comparaisons YSTR, et surtout sur un faible volume comme ça, c'est que ces variations de répétition, puisque vous avez compris que c'est la variation du nombre de répétitions qui caractérise la mutation. Il y a certains 10, c'est-à-dire il y a certains endroits du chromosome Y qui vont être davantage sujets à des mutations que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a certains YSTR qui ont un taux de mutation plus élevé que d'autres. Et ça, c'est problématique. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Vous prenez deux individus qui ont vécu, par exemple, il y a deux générations. Un, sur une position en particulier, il avait 12 répétitions. Le même, exactement sur la même position, il en avait 14. Neuf générations plus tard, ils ont deux descendants patrilinéaires directs. Le descendant du premier, il a eu une mutation ascendante, il est passé de 12 à 13. Et le descendant du second, il a eu une mutation descendante, il est passé de 14 à 13. Et quand on les compare tous les deux, qu'est-ce qui se passe ? On pourrait penser qu'ils sont cousins. Et en fait, non, il s'agit d'un faux positif. Alors, je ne dis pas ça pour vous effrayer, mais voilà. En fait, pour ce que ça veut dire que quand on travaille avec les mutations, déjà sur le chromosome Y, plus on a de données à comparer, plus on a une résolution précise pour les comparer, plus on a des résultats fiables. Là, on comprend pourquoi un test NGS a battu en brèche un test sur 67 marqueurs. Alors, toujours sur les comparaisons YSTR, alors évidemment, je vous l'ai dit en introduction, plus on a de cousins testés, plus on va pouvoir faire des recoupements. Et quand on trouve des marqueurs stables, c'est-à-dire qui sont vraiment sur des lignées spécifiques, là, ça ne peut pas être dû au hasard. Quand vous avez une douzaine de cousins qui descendent du même individu et qui ont ce même marqueur stable, c'est significatif. Ce n'est pas dû au hasard. Et là, c'est le cas. On s'aperçoit que vous avez plusieurs cousins, Stuart et Stewart, qui descendent de cet individu, qui ont tous cette valeur, cette mutation privée, on va dire, cette nouvelle mutation en particulier. Alors, ce n'est pas suffisant pour définir un haplotype, on est d'accord. D'où le point d'interrogation. Mais c'est une indication. Tiens, c'est curieux, est-ce que les Stuarts de Corse, qui ont exactement la même mutation, ne seraient pas parents, finalement, avec les cousins qui descendent de cet individu ? Vous voyez, c'est le volume de données à exploiter. C'est toujours retrouver la stabilité d'une mutation chez plusieurs personnes qui va nous permettre de creuser une hypothèse de travail. Et là, c'est le cas. Alors, vous avez vu que finalement, sur le chromosome Y, on a eu quelques résultats. On est passé de l'inconnu à un personnage formellement identifié qui vivait au XIIIe siècle, ce qui n'est déjà pas rien, hein. On sait que les Stuarts de Corse n'ont rien à voir avec enfin, du moins, c'est une branche collatérale des petits cousins du clan Royal Stuart moderne, mais ne descendent pas de Marie Stuart. Voilà, c'est tout ce qu'on a appris par le chromosome Y. Donc, on va passer à une autre méthodologie. On va s'intéresser à une lignée matrilinéaire en particulier. Alors, il faut savoir que ce soit sur les lignées matrilinéaires ou patrilinéaires, on peut travailler sur l'ensemble des chromosomes autosomes. Alors, de quoi parle-t-on ? Vous voyez, là, vous avez, et c'est vraiment l'aspect qu'ils ont, hein, ça, c'est une photographie, enfin, au microscope à balayage électronique. Voilà vraiment à quoi ressemblent nos chromosomes dans nos cellules. Et du premier jusqu'au 22e, ce sont des chromosomes autosomes. C'est-à-dire que, à chaque génération, on hérite de la moitié du patrimoine génétique de ses parents pour chaque
Autosome, chromosome autosome. Le Y, vous avez compris que c'est complètement à part, parce que déjà, ce n'est pas un autosome, c'est un chromosome sexuel, et il n'est transmis que de père en fils, donc ça ne s'applique pas. Le X, c'est très compliqué, parce que le X ressemble beaucoup à un autosome, et il y a beaucoup de techniques, notamment la triangulation, on verra dans un second temps, dont on peut se servir avec le X. Sauf que le X, on ne peut pas l'assimiler en aucune façon à un chromosome autosome. Pourquoi ? Parce que la règle de distribution d'une génération à l'autre n'est pas la même. Tout simplement parce que une fille hérite d'un X de son père et d'un X de sa mère, alors qu'un garçon, non. Donc vous voyez, la règle de distribution de génération en génération sur les chromosomes sexuels n'est pas la même. Donc du coup, même s'il y a des mécanismes proches, même si la structure ressemble, le X, on ne peut pas l'assimiler aux autres chromosomes autosomes. Alors comment on va travailler avec ces autres chromosomes? Et pourquoi, surtout? On a compris que l'intérêt des autosomes, c'est qu'on pouvait travailler sur n'importe quelle lignée patrilinéaire ou matrilinéaire, n'importe laquelle. Sauf que regardez, comme à chaque génération, les autosomes passent à la moulinette, 50% du père, 50% de la mère, vous voyez que plus on recule dans le temps, plus la quantité de patrimoine génétique qu'on va avoir des ancêtres qui s'éloignent dans le temps va se réduire. Vous voyez déjà, l'ADN des grands-parents, on n'en a que 25% de chaque grand-parent. Des arrière-grands-parents, on est à 12,5% et ainsi de suite. Alors, ça, si vous voulez, c'est le modèle statistique. Maintenant, dans la réalité, la biologie moléculaire, c'est un peu compliqué. Il y a des phénomènes très particuliers de crossing over, j'en passe des meilleurs. Il y en a même certains qui provoquent des maladies, et parfois même graves. Mais, par exemple, quand vous faites une comparaison autosomale sur un site internet bon marché, soyez pas surpris si au lieu d'avoir 25% de votre grand-mère, vous avez 27%. Ça peut arriver, hein. Ça, la science explique très, très facilement, hein. Mais vous avez compris le principe, en tout cas, de façon irrémédiable, plus on va vouloir travailler sur un patrimoine génétique hérité d'une lignée qui s'éloigne dans le temps, plus le matériel disponible va se réduire. Et c'est pour ça que ce qui fait consensus dans la communauté scientifique internationale, c'est que les comparaisons autosomales, c'est-à-dire de quoi j'ai hérité et de qui, ça marche, qu'à cette génération. Certains vous diront que la zone de confort, c'est entre 7 et 10 générations. Et après, pour arriver à des résultats dans cette zone de confort, il faut travailler longtemps. On va le voir juste après. Alors, on a compris le principe. C'est que c'était puissant en termes d'ouverture de pistes de travail, parce qu'on peut travailler sur n'importe quelle lignée, mais que c'était réduit dans le temps. Alors pourquoi ça a été intéressant pour des stuarts dont a priori l'ancêtre est arrivé il y a 10 générations? Normalement c'est un outil qui paraît peu adapté. On va voir pourquoi. Alors en fait, ce qui a amené à mobiliser cette méthodologie de travail, c'est que on a le fils d'Emmanuel qui en 1820 enterre une cousine qui se trouve à 17 km de son village. Bon, à l'époque, les distances, surtout dans les montagnes corses, c'est pas les mêmes. Hein. Donc, s'il va à l'enterrement de cette cousine, c'est que c'est important. Et cette cousine est née, Flore, elle s'appelle Flore, et elle est née d'un certain Baptiste à Flore. Sa fille d'un certain Baptiste à Flore. Et apparemment, c'est sa cousine. Sauf que, en ayant recours aux recherches classiques, en mobilisant toute la connaissance et toutes les sources disponibles, y compris avec l'aide d'une cousine Flore généalogiste, on ne trouve pas le lien de parenté en Corse. On ne le trouve pas. On n'explique pas ce cousinage. Impossible. On ne sait pas d'où il vient. Donc du coup, pour essayer de l'identifier, vous voyez, donc là, c'est une recherche aveugle. De quelle lignée provient ce cousinage? Donc du coup, on comprend que le mécanisme des comparaisons autosomales, dans ce cas de figure, c'est intéressant. Donc on va mobiliser cette technique. Et on va, en aveugle, pendant 2 ans, faire des centaines de comparaisons. Dans quel but?
Dans le but de trouver un résultat significatif. Alors, c'est quoi un résultat significatif dans les comparaisons autosomales quand on cherche comme ça en aveugle ? Eh bien, c'est de trouver un nombre important de cousins qu'on ne connaît pas, qui ont le même patronyme et qui partagent avec une partie des cousins de sa famille le même segment sur un même chromosome ou sur plusieurs chromosomes. Mais en tout cas, voilà, il y a un héritage qui vient d'un ancêtre commun. Encore faut-il pouvoir l'établir. Et en faisant ce travail, vous voyez, qui a duré assez longtemps, sur 2 ans, on a trouvé, alors voilà, pareil, ça c'est le chromosome 15 tel qu'on le voit avec un microscope à balayage électronique, on a trouvé entre la 24 millionième paire et la 28e millionième paire, en gros, cette zone du chromosome 15, un segment très important de patrimoine génétique qui était commun à la fois au Stuart, au Flore et à des cousins Smith, des cousins totalement inconnus. Alors, une fois qu'on les a répertoriés, on peut s'apercevoir de quelque chose, c'est qu'on a des résultats significatifs. Vous voyez, donc là, on a 3 individus Flore et une 20aine d'individus Smith qui, à chaque fois, sont comparés entre eux. Et on arrive... Donc ça, c'est le début où commence le segment d'ADN en commun. Et ça, c'est où ça s'arrête. Et ça, c'est la valeur du segment. L'unité de mesure, c'est le centimorgane. Ça veut dire, pour parler très simplement, un centimorgane, qu'est-ce que c'est ? C'est une distance entre 2 gènes. Je ne parle pas de base paire, là. Je parle de gènes. Un gène, c'est une information génétique qui code ou la couleur des yeux ou une maladie ou peu importe. C'est un gène. Les gènes dans le génome humain, on les connaît. Donc là... Quand on dit que le kit Flore 5 partage avec monsieur ou madame Smith 6,8 centimorgane, ça veut dire qu'ils ont en commun sur le chromosome 15 presque 7 gènes qui se suivent de façon continue. Oui, c'est pas négligeable. Et parmi ces 7 gènes, on a relevé très ancienne, très connue ou plus récente, peu importe, 405 mutations YSMP. Voilà comment il faut lire ces informations. Et là, là aussi de façon standard, on dit dans une comparaison autosomale qu'un segment est significatif quand il dépasse la valeur 5 ici, c'est-à-dire qu'il y a plus de 5 gènes qui sont passés, qui sont passés à travers les générations et qui sont toujours présentes chez les cousins comparés, et quand il y a plus de 500 mutations. Et évidemment, on va comparer les Stuarts au même Smith. Alors, évidemment, il y a des variations. Hein. Mais, grosso modo, vous voyez, on arrive au même niveau de résultats. Donc là, par rapport à des centaines et des centaines de comparaisons possibles avec plein de noms de familles, là, on est en présence d'un modèle significatif. Là, c'est significatif. Et pour autant, exprimé comme ça ne veut rien dire. Alors vous allez me dire, mais comment ça ne veut rien dire ? Eh bien, en fait, la façon dont se sont agencés les gènes, soit c'est un seul bloc qui est passé d'un coup, soit c'est le hasard du brassage génétique qui, vraiment le hasard, a réagencé une série de gènes au même endroit. Et là, c'est la chance. C'est ce qu'on appelle un faux positif. Alors, ce qui est bien, c'est que, contrairement au YSTR, où il y a un côté de taux de variation un peu aléatoire, là, heureusement, pour séparer les faux positifs des vrais positifs, heureusement, pour les comparaisons autosomales, on a une méthodologie, et qui est relativement simple en plus. Et la méthodologie, c'est ce qu'on appelle...
la triangulation. Alors vous voyez, voilà un modèle de triangulation un peu poussé mais probant, qui regarde entre les trois individus Smith, les deux individus Stuart et le cousin Smith, et pour chaque cousin Smith, ce modèle a été appliqué, on regarde si chacun entre eux partage le même segment au même endroit. La triangulation, c'est ça, pour s'assurer que ça provient même bien du même ancêtre. Ce n'est pas un faux positif. En résumé, si une personne A partage un segment avec une personne B, une personne A partage un segment avec une personne C, il faut que B et C partagent également le même segment au même endroit. C'est ça la triangulation. Et de cette façon, on va séparer les faux positifs des vrais cousinages génétiques, qui ne sont pas dus au hasard, mais qui sont bien la preuve qu'ils ont un ancêtre en commun, qu'ils sont bien cousins. Et là, vous voyez, c'est le cas. Et par exemple, cette Jacqueline Elizabeth Smith, qui a réussi quand même à remonter assez loin au niveau de son ancêtre, et j'ai pris cet exemple à dessein, il n'y a pas de problème, on a une triangulation réussie, parce qu'il y a beaucoup de valeurs, surtout au niveau des gènes, qui sont probantes. Et c'est quand il y a de la déperdition au niveau des mutations, comme c'est le cas parfois là, c'est la multiplication des triangulations réussies qui va rendre l'étude probante. Encore une fois, c'est vraiment, quelle que soit la méthodologie de recherche, plus on a de données, plus on en arrive au même résultat, plus on va pouvoir étayer une hypothèse et arriver parfois à des conclusions. Donc, avec cette méthode de triangulation, on a réussi à identifier 20 cousins et cousines Smith, communs aux Flore et aux Stuart, ce qui était totalement inattendu. Parce que honnêtement, au départ, quand on se pose la question, mais que va faire Giovanni Stuart à l'enterrement de cette cousine Flore, on pensait plutôt trouver sur quelqu'un qui venait de Corse du Sud, mais jamais de la vie, on pensait qu'on aurait tombé sur un Smith. Mais, une fois qu'on a validé, et alors, ce résultat, il a connu des développements c'est tous les ans, il est conforté, en fait. Il y a encore de nouvelles données qui le confortent. Hein. Mais une fois qu'on a validé cette triangulation, ensuite, on va faire la corrélation avec les sources classiques. C'est-à-dire, on va vérifier parmi ces 20 cousines si, pour notre plus grand bonheur de généalogiste, certains n'ont pas réussi, sur la base de sources vérifiées, à remonter loin au niveau de leur généalogie. Et ça a été le cas sur les 20 pour 3. Oui, mais c'était suffisant parce que les 3 pointaient exactement le même ancêtre, celui-ci, Thomas Lawrence Christopher Smith. Et là, vous voyez, c'est validé. Parce qu'il y a eu de nombreux développements, et je vais faire court parce qu'il y aura de quoi développer, mais voilà, une triangulation, un long travail de comparaison autosomale qui partait à l'aveugle, avec une méthode sérieuse sur la base de triangulation autosomale, et avec une corrélation avec des sources écrites, ont permis d'établir définitivement ce résultat et cet ancêtre commun, donc sur une lignée matrilinéaire, au Smith, au Flore et au Stuart. Et c'est un résultat qui a été validé par le doyen de l'université de Glasgow. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Ça, c'est définitivement fixé. Alors, pourquoi? Parce que c'est quand même surprenant. Ça, une fois qu'on a identifié une personne, il faut essayer de trouver des éléments de contexte historique ou diverses sources qui peuvent expliquer. Mais en fait, on le sait, pendant la guerre de la Quadruple Alliance, il y a une escadre jacobite qui faisait partie de la flotte espagnole, qui était à la fois en guerre à cette époque contre la France et l'Angleterre, et qui attaquait les convois anglais depuis la Corse, et qui s'est réfugié en Corse en septembre 1718. Là, ce que vous voyez là, c'est le fort de Girolate. Depuis cette montagne, on prend un chemin à 2 heures de cheval, on arrive au village où est né ce fameux Battista Flore en 1721, dont est issue cette cousine des Stuart et des Flore. Et en fait, on suppose qu'il y a un Smith
qui faisait partie de cette escadre jacobite, qui a stationné quelques mois, voire 3 ans maximum, en Corse. D'où, et c'est pas le, il y a d'autres cas, hein. Il y a par exemple des Gabriel dans une autre région de Corse, qui en fait sont des Davidson, eux aussi sont écossais. Voilà, il y a eu environ presque 1 millier de marins de base ou des officiers qui ont stationné pendant quelques semaines à 3 ans en Corse, et ceci expliquant cela. Et ça, jamais on n'aurait pu l'imaginer si on n'avait pas fait ce travail de recherche de comparaison aux tosomales. Dernier chapitre, qui est beaucoup plus récent, parce que vous vous souvenez, donc, je vous ai parlé de l'importance du plateau technique et des possibilités de résolution au niveau du séquençage. Alors, il y a 2 ans, du côté de l'Université d'Oxford, en association avec des laboratoires privés, était expérimenté ce qu'on appelle les nanopore technologies, une façon de séquencer l'ADN vraiment révolutionnaire, hein, extrêmement précise. Et il y a un consortium de laboratoires publics et privés qui s'appelle T2T, littéralement télomère tout télomère, c'est-à-dire d'un bout du chromosome à l'autre. Pourquoi d'un bout du chromosome à l'autre? Vous vous souvenez, quand on a vu en gros plan tout à l'heure le chromosome Y, de prime abord, on se demande comment une machine elle arrive à suivre sans difficulté tout le cheminement du double brin d'ADN. Surtout qu'il y a des endroits, notamment une région qui s'appelle le centromère, où ça se recoupe complètement, et là, on n'arrive plus à interpréter plus rien. C'était très difficile. Et bien là, ce n'est plus le cas. Là, la technologie est tellement poussée que l'ambition, ils y sont presque d'ailleurs, hein, et il y en a qui ont déjà commencé à l'annoncer, mais il faut attendre des résultats, c'est d'arriver à 100% du chromosome Y. Parce qu'il y a certaines régions, on n'arrivait pas à les lire. Du moins, on n'était pas sûr de la fiabilité des résultats. Souvent, pour ceux qui savaient lire les données brutes assez poussées, sur une position du Y, la machine disait, alors où c'est ça, je ne sais pas. Voilà. Mais on ne savait pas, en définitive. Donc, ce que là, avec les nanopore technologies, ce n'est plus le cas. Et évidemment, ça a eu, cette année, une incidence assez spectaculaire, et ça va continuer à en avoir, sur tous les projets de recherche en cours, dont celui de l'Escura. Mais déjà, alors, tous les cousins que vous voyez là, numériquement, ce sont des kits que j'administre, qui font partie d'un projet sur lequel je travaille. Et il y a quelque chose de complètement nouveau, c'est que, bon, on met de côté l'unique descendant de Charles de Stuart, lui il est à part, hein, j'aurais dû mettre dans le camembert 1, S768, mais lui il est de côté. Mais si on met lui de côté, désormais au niveau de l'arbre phylogénétique de ses cousins Stuart, qui sont tous issus du fameux commandant des archers de William Wallace, hein, le fameux personnage qui a vécu au XIIIe siècle, désormais on peut les classer en 4 groupes. Alors il y a un groupe très important, c'est le S781A, où on subodore qu'ils ne sont pas très éloignés des Lennox et du clan royal Stuart, mais il y a encore des vérifications à faire. Il y a un clan très important, c'est les Lorne et les Apines. Alors pour eux, c'est fabuleux, parce que pendant des années, ils étaient assez frustrés, tous ces cousins qui étaient issus d'une certaine lignée, en plus très célèbre, les Stewart d'Apines. Ils disaient, mais c'est pas possible, on connaît notre pédigré, on sait d'où on descend, et on ne trouve pas une mutation en commun. Et ça y est, c'était juste un problème de résolution. La mutation commune, elle se trouvait dans une zone compliquée à atteindre. Et là, avec la révolution télomère tout télomère, on a trouvé la mutation commune. C'est le FTT41, ce qui permet d'avoir une lecture beaucoup plus claire de l'héritage de cette famille. Et puis, on a un groupe aussi très important, où ils sont 14, qui ont une mutation. Alors avant, ils étaient tout ceci, là, les 14, ils étaient subdivisés en petits groupes. Hein. On avait du mal à savoir. On s'arrêtait généralement au milieu du, voire la fin du XVIIIe siècle en Irlande, généralement, pour ces cousins.
Donc après, on ne savait pas. Et là, maintenant, on sait qu'ils ont tous un ancêtre en commun. Au moins, on le sait. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et quelque chose d'assez inattendu, c'est que les trois cousins corses testés qui font partie de ce projet sont négatifs à tous les autres marqueurs. C'est ce qu'on appelle un isolat. Alors ça, il n'y a que deux façons de l'interpréter. Soit les stuarts de Corse sont issus d'une branche éteinte, et du coup, il n'y a plus personne pour comparer, puisque voilà, il n'y a plus de cousins vivants, ce qui est possible. Soit il y a peut-être encore des cousins vivants dans le monde, mais aucun n'a fait de test ADN. C'est possible, mais statistiquement, c'est curieux, parce que depuis, on va dire, 2008, les Stuarts et les Stuarts, à cause de cette histoire de clan royal, on n'arrête pas de faire des tests. Mais bon, on ne peut pas l'écarter non plus. Mais il n'y a que ces deux hypothèses qui peuvent expliquer cet isolat, les Stuarts de Corse. Autre avancée. Eh bien oui, vous vous souvenez, tout à l'heure, on était à 67 STR. C'est fini, ça. Vous avez vu la résolution, là? C'est plus pareil, 750. Eh oui, ben, tout à l'heure, à 67, on avait trouvé une petite valeur sympathique qui nous orientait vers certains cousins. Et là, comme par hasard, les mêmes cousins, enfin pas tous, mais au moins, regardez, là, on n'en trouve plus qu'un de YSTR spécifique. Là, pour un cousin Stuart en particulier et trois cousins issus d'une vieille branche Lorne Apine, trois marqueurs YSTR spécifiques, là on peut commencer à parler d'haplotype. Là c'est significatif. Vous avez vu, donc la résolution de travail, ça n'a plus rien à voir. Là, du coup, l'exploitation de ces marqueurs STR, ça prend sens. Et ça permet de resserrer les hypothèses de travail, parce que, évidemment, dans l'entourage de ses cousins, on connaît certains personnages historiques qui sont identifiés, et du coup, ça permet de faire un travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire de croiser donc ces données ADN, quelques sources généalogiques et les contextes historiques. Et ça permet de progresser. Donc, en fait, tout à l'heure, le point d'interrogation qu'on avait à 67, à 750, on ne l'a plus. C'était effectivement une hypothèse qui tenait la route. Et enfin, et alors là, c'est tout récent, ça valait quand même le coup, parce qu'il y avait encore certaines personnes que je connais bien qui étaient acharnées sur le fait que les Stuarts de Corse descendaient du clan royal Stuart moderne, et qu'en fait, le résultat de 2014, c'est parce qu'on n'avait pas trouvé le bon marqueur. Ah ben, désolé pour eux, mais c'est fini. Parce que là, une personne qui, et c'est le contrat moral qui a été passé avec cette personne, un personnage public très connu en Grande-Bretagne, qui descend directement d'Henri Darnley Stuart, qui est l'ancêtre agnatique de tous les rois Stuart modernes, a accepté déjà de nous communiquer l'intégralité de son test NGS T2T. Donc là, c'est plus seulement 14 millions de bases paires, là, hein, c'est énorme. Mais surtout, même si normalement j'ai même pas le droit de dire le nombre, mais toutes les mutations, voilà, toutes les mutations de ce testeur qui ont été comparées aux cousins Stuart en Corse sont négatives pour les Stuarts de Corse. Donc là, c'est définitif. Et là, c'est vraiment définitif. En aucune façon, les Stuarts de Corse ne peuvent descendre d'Henri Darnley Stuart et de son épouse Marie Stuart. Ce n'est pas possible. Là, vous voyez, c'est très récent, hein, mais c'est un caractère définitif. Et la conclusion de ces 10 années de travail, où vous avez donc pu voir progresser les outils de recherche et donc aussi le croisement de toutes ces données, c'est qu'au départ, en 2012, on est dans l'inconnu, et 10 ans plus tard, voilà où on en est. C'est-à-dire que maintenant qu'il est établi que les Stuarts de Corse ont un haplotype en commun avec certains cousins et qu'on arrive à identifier les branches qui ne peuvent pas matcher parce que les Stuarts de Corse sont négatifs à tous leurs marqueurs SNP, par élimination, donc c'est le principe du tamis, par élimination, il ne reste plus que ces trois hypothèses de famille. C'est-à-dire que
l'estuaire de Corse, c'est une de ces familles. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour savoir laquelle, mais vous voyez quand même, en mobilisant toutes ces données, on est passé de l'inconnu à des hypothèses de travail beaucoup plus réduites. Et le fait d'avoir des hypothèses de travail beaucoup plus réduites, ça laisse davantage de temps après pour se concentrer davantage sur les sources classiques, soit les sources écrites généalogiques ou les sources historiques, voire d'autres. Voilà donc pour la conclusion de ces 10 années de recherche. Et je vous remercie pour votre attention. Et donc, si vous avez des questions... Merci beaucoup pour cette présentation et l'évolution que l'on note effectivement au fil des années, même sur un plan assez court, mais c'est assez important quand même, hein, les dernières évolutions. On n'est pas dans le temps long du Moyen-Âge, mais là, ça va très très vite, hein, et ce n'est que le début. Est-ce que vous auriez des questions ? Par rapport au fait que j'enregistre, je vais donc me déplacer certainement avec ce micro, l'autre ne fonctionnant pas, et ensuite je vous le ramènerai pour que vous soyez bien audible. Non, les stewards vous ont scotché. Bonjour. Moi, j'avais une question qui est, en fait, quel test vous avez fait pour la génétique ? Ça dépend de la nature de votre question. Si vous me demandez les caractéristiques techniques, je pourrais vous répondre. Si c'est quelle compagnie, la loi m'interdit de faire de la publicité pour une compagnie de test ADN, surtout dans une université. Alors, sur le plan juridique, vous savez qu'en France, il y a une loi qui dit que les tests ADN sont strictement interdits, sauf si c'est à des fins statistiques et anonymisées. Alors cette interdiction, elle provient du fait qu'il y avait un souci légitime qui était surtout en relation avec les tests autosomales. Pourquoi ? Parce que sur chaque chromosome, tout à l'heure je parlais de gènes, il y a forcément des gènes codant en relation avec des pathologies, ce qui revient à délivrer des données à caractère médical. Et donc le souci du parlementaire, du législateur, de protéger l'utilisateur lambda de données médicales qui ne s'est pas interprétée, qui pourrait être très préjudiciable, ce souci, il est parfaitement légitime. Mais au niveau du débat parlementaire, au lieu de demander, par exemple, à des compagnies françaises ou à des laboratoires qui en avaient largement les moyens, de faire un cahier des charges pour brider ces informations, parce que là, dans ce que vous avez vu, les informations qui nous intéressent en généalogie génétique, après, il y a des gens qui travaillent, hein, sur l'hérédité des maladies et qui travaillent comme ça, y compris en généalogie génétique. Bon, ce n'est pas mon cas, mais je respecte cette approche. Mais à part pour ces gens-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la quantité de gènes transmis, pas la nature des gènes. Donc, brider la nature des gènes et juste donner les quantités exploitables pour la comparaison, c'était techniquement parfaitement réalisable. Mais comme... Et ça, on peut le comprendre, les législateurs et les parlementaires n'étaient pas des spécialistes en biologie moléculaire. Plutôt que de demander un cahier des charges précis, ils ont choisi le principe de précaution et d'interdire. Alors après, il y a une loi qui existe, c'est vrai. Il y a 10 000 tests en paternité en France qui sont faits tous les ans de façon illégale, alors que normalement, il faut une ordonnance du juge. Et après, malgré cette loi qui existe, il y a une quantité... Alors, il n'y a plus de publicité pour les tests ADN à la télévision, parce qu'il y avait une compagnie à un moment donné qui, surtout pour les périodes des fêtes, avait vraiment matraqué, et d'ailleurs, ils ont réussi leur coup. Mais par contre, ça continue. C'est une discipline en pleine expansion, surtout avec les tests NGS, où il y a des personnes qui commencent à comprendre l'intérêt, mais pas seulement. Là, par exemple, je ne vous ai pas parlé aussi de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire de ce qui est transmis de mère en mère, mais aussi ce que la mère transmet à son fils, par exemple.
Mais le fils, par contre, lui, ne veut pas transmettre à ses enfants. Bon, mais pourquoi je n'en ai pas parlé? Tout simplement parce que, comme je ne sais pas quel est l'ancêtre de Stuart de Corse, du coup, sa mère ou sa sœur, ben, je ne sais pas qui c'est, donc je ne sais pas quel est son ADN mitochondrial. Donc, je ne peux pas travailler à partir d'un ce qui concerne cet exemple. Mais c'est aussi, voilà, c'est aussi une autre méthode de travail. Donc, il y a un cadre légal, mais pratiquement, ce qui se passe, c'est que les gens font quand même des recherches. Et pour l'instant, évidemment, si formellement quelqu'un dépose plainte, bien sûr, il y a une loi et la plainte sera recevable. Mais pour l'instant, il y a quand même des études assez poussées qui sont faites. Et je pense à l'université de Leicester qui est venue en Normandie, qui a prélevé la salive d'un millier de personnes par rapport aux Vikings. Ils n'ont pas été interpellés par la gendarmerie. Hein. Il n'y a aucun parquet qui s'est auto-saisi. Non. C'est parce que je pense qu'en ce moment, l'appareil judiciaire a quand même d'autres choses à faire. Et puis qui savent que le débat a été un peu expédié. Parce que dans toute l'Europe, il n'y a que deux pays qui ont cette législation sur les tests ADN, c'est la France et la Pologne. C'est tout. Donc, mais sur le plan technique, voilà, le test NGS sur le chromosome grec est très pertinent. Le test complet sur l'ADN mitochondrial, quand on travaille sur une lignée matrilinéaire de mère en mère, ou quand on veut retrouver les descendants matrilinéaires de la sœur d'un ancêtre ou de la mère d'un ancêtre, c'est pertinent. Et les comparaisons autosomales jusqu'à cette génération, c'est pertinent sur le plan technique. Après, voilà, il y a des compagnies qui sont plus sérieuses que d'autres. Il y a des compagnies qui s'assoient un peu sur les considérations éthiques et qui n'hésitent pas à délivrer des données à caractère médical. Mais je n'ai pas le droit de faire de publicité. Il faudra toutes les citer. Donc... Une autre question ? Bonsoir. Et la technologie télomère, tout télomère, qui a l'air d'être à ce stade en tout cas la plus fiable pour des comparaisons telles qu'on les a vues, elle est déjà dans le domaine du grand public ? Alors oui, clairement. Alors ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, quand je vous ai parlé des mutations, je vous ai dit qu'elles étaient identifiées à partir d'un modèle standard, c'est-à-dire une version du génome humain qui est une moyenne des valeurs qu'on retrouve le plus partout sur Terre. Mais ce génome, il était basé sur les technologies de séquençage d'avant. Ça veut dire que là, en ce moment, parce que le génome humain est mis à jour. Hein. Alors, il n'y a pas une périodicité fixe. Des fois, c'est au bout de 3 ans, des fois au bout de 4 ans. Mais il est mis à jour depuis 2003. Là, pour l'instant, il y a une mise à jour expérimentale. C'est-à-dire qu'il y a certains labos qui ont décidé d'utiliser un nouveau génome humain de référence, mais il n'a pas été validé par l'ISOG, qui est au niveau mondial l'entité qui le valide. Donc il n'est pas validé. Mais par contre, il y a déjà des compagnies qui vous donnent les résultats par rapport à ce nouveau génome de référence. Mais là, pour l'instant, j'ai vu un article dans Nature l'autre jour qui disait « ça y est, ils y sont arrivés, 100% de chromosomes Y séquencés ». Bon, ça veut dire que tous les autres chromosomes vont suivre. Ça veut dire aussi que la précision des comparaisons autosomales aussi, normalement. Parce que ce qui est valable pour le chromosome Y, c'est le problème de résolution, est valable aussi pour les autosomes. Ça veut dire que si demain, on lit tous les chromosomes d'un bout à l'autre, mais forcément, au niveau de la résolution et des segments, on va gagner des bouts, donc on va pouvoir peut-être monter un peu plus loin. Pour l'instant, je guette, mais je n'ai pas encore vu de trucs significatifs là-dessus. Mais par contre, au niveau du chromosome Y, il y a une Nature, en principe, ce n'est pas une revue complotiste, c'est une revue de référence, donc s'ils disent qu'ils y sont arrivés, c'est probable. Évidemment, il faut plus de recul que ça, mais ça veut dire que demain, voilà, pour travailler, pour une nouvelle génération de généalogistes qui s'appuie sur l'ADN, déjà sur le chromosome Y, ça va être beaucoup plus pratique comme condition de travail. Merci. Oui, je préfère quand même qu'on vous entende. Donc on va trouver d'autres lignées, c'est ça? Si par exemple j'ai fait un test, moi, qu'on m'a donné un résultat, qu'on me dit que je correspond à tel haplotype et tel haplotype, par exemple, du chromosome Y. Pas moi, mais mon père, oui, ben, j'ai fait mon père, voilà. C'est-à-dire que je peux avoir des résultats qui vont changer, se préciser, c'est-à-dire qu'on va me préciser une lignée en plus, on va aller plus loin, c'est ça ?
Donc les résultats, ils vont être mis à jour automatiquement sur les... par les sociétés ? Ça dépend. Alors par contre, à toute fin utile, je le précise, cette révolution télomère tout télomère, donc je l'ai dit, elle concerne l'ensemble des chromosomes, c'est-à-dire les autosomes et les chromosomes sexuels, mais pas l'ADN mitochondrial. Hein. Là, il n'y aura aucune révolution de ce côté-là. Il y a 16 000 bases paires. C'est toujours 16 000 et ça sera toujours 16 000. On les connaît toutes. Hein. Voilà. D'autres questions dans ce domaine en évolution ? Bon, écoutez, je vous remercie d'être venu. Merci à vous, monsieur Ramé-Stewart, de nous avoir fait cette présentation. Et puis, bon courage aux étudiants qui sont en plein examen. Et bon retour chez eux à tous les autres. Au revoir. Bonne soirée.